Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus, et nous voilà repartis sur Shadow Empire. Il y a eu quelques affrontements. Ah, on a découvert un nouveau modèle de motorbike infanterie. Ça, c'est bien pour de la reconnaissance et pour avoir de la mobilité. Dismiss. On n'a plus de machine. On n'a plus de machine? Ouais, je sais, on doit faire ça aussi. Il nous a repoussé ici. Ok. Alors. Putain, vache, il nous a même bien claqué le beignet, cet enfoiré. Si jamais on attaque, là. Avec tout le monde. Ouais, c'est même pas dit qu'on gagne. On va redescendre. Alors. 1, 2, 3. Ah, on est direct en jaune ici, c'est dommage. Ça, c'est bien. Moins 70%. En offensive, attaque via Liu. Ça nous fait mal d'attaquer en forêt, hein. Et eux, ça leur apporte un putain de bonus. Force Nooks, it's 20% en plus, ok. On va y aller avec tous, on va essayer de les affaiblir au fur et à mesure. C'est pas censé passer, mais peut-être qu'à la fin, on n'arrive pas à les. On arrive à peine à les grignoter. Hein, quoique, 10%, 15%. Ils ont tenu. Oui, oh, putain. On perd du monde, hein. On perd beaucoup de monde. On perd beaucoup de monde. On perd vraiment beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'on a découvert notre... Non, il nous faut automatic rifle. Et une fois qu'on aura ça, on pourra le faire. On peut faire un nouveau modèle de motorbike, pourquoi pas. Pourquoi pas, avec de meilleurs rifles, et ça nous permettrait de le... Ouais, putain, le coup en BP. Ah, mais c'est pas en PP, c'est en BP. Nouveau modèle de truck. Zone décision. Ok, donc il y a des manifs. Un peu entre 5 et 20% des travailleurs de Kits sont à propos de commencer leur manif. On peut augmenter la démocratie, ça me plaît plutôt bien. On la passera à 50. On perd un peu de crédit, certes. On passe à 50, ça fait plaisir. Alien Mercenary Force en échange de 1200 de crédit. Putain, la vache, ça nous ferait du bien. On va renforcer notre gouvernement, c'est très bien. Même si ça m'aurait fait plaisir. Si je les avais eu, franchement, je pense que je les aurais claqués. Ouais, on perd un peu de points avec les voisins. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est ça la question. Je sais pas si je tente un nouveau modèle. Parce que là, quand je fais Raise Formation, en sortant de là, bien sûr. J'ai l'infanterie motorisée, donc c'est des trucks, ça, normalement. Green bus, ouais, c'est les trucks. Et quelques rifles. Troupes, on est à 27%. Sachant qu'on est en brigade, là. Hein. Ah. On va pouvoir commencer à réfléchir à embaucher un corps d'armée plutôt que juste une brigade. La question est... Ouais,
vache, il va me falloir encore un paquet de tours. Alors, A7. Il me manque 118 de métal. On va garder la bouffe. Je sais pas pourquoi la bouffe, j'ai pas envie de la vendre. On a dit qu'il nous en manquait combien? 118. Ah non, d'accord. En fait, il nous en manque 2. Ah non, ni de 500. Et il en utilise 118 des 120 qui étaient alloués. Donc, ça nous ferait quoi, ça? Il nous en manque 382? Il manque 382, est-ce qu'on peut acheter 382? Ça serait peut-être un peu abusé par contre. Non, on peut pas les acheter, ça sert à rien qu'on les achète. On va garder les crédits. Impressive weaponry. Basic words. Très bien. Ils sont pas très agressifs en fin de compte. On pourrait peut-être essayer de jouer là-dessus. Moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est les promesses que j'ai faites. Model overview. Ok. C'est ici, demande overview, parfait. On est à 97, 7 tours, on fera ça en dernier. Ok. Je pense que ça va le faire. In fine, ça va le faire. J'espère bien. En avant, on revendu de l'eau. C'est bon ça? Non, on va pas faire un nouveau modèle d'infanterie, on va faire un modèle de motorbike infantry. Alors, je vous m'en pose 2 secondes. Alors, c'est ça que je voulais voir. C'est le... Ça, si ça pouvait se ranger, c'est mieux. Motorbike, rifle, personal armor. Donc, c'est comme de l'infanterie. Donc, tant que j'aurais pas débloqué la personal armor, faire de l'infanterie, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je pense. Il y a juste lui qui est en shield. Tous les autres, ils ont armure, personnel armure. Là, il y a armure pour les APC. Là, il tank armure. Ça, c'est les side skirts, par exemple, les guns, tout ça. Ok, très bien. Donc, on va pas donner de nouveaux ordres. Parce que là, en technologie, on a donc l'armure, mais on n'a pas encore les armes améliorées. On va attendre d'avoir les armes améliorées pour pouvoir commencer à faire des choses. Excusez-moi. Ok. Là, on s'est battu. Là, on se bat pas. Je suis pas bien là. Population support. Soldier qui descend. Worker support qui descend. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui les galvaniserait un peu, là? On n'a pas d'arène. Euh,
On n'a pas d'arène, ça c'est dommage. Ça va peut-être s'arrêter là-dessus, hein, sur le fait que les gens veulent pas que je reste en place. Verilo, ça c'est vraiment problématique, hein. La loyauté qui diminue. Mystic Celebration, ça prête bien, peut-être qu'on fasse un petit rendez-vous avec le culte et qu'on le renforce. Les gens aiment bien le culte en général. Ok, on peut pas faire avec des aliens. Super. Super. Roger that. Allez, on va voir si on passe le tour. On n'a pas un stratagème d'unité? Oui. On va mettre au troisième. Allez, chacun son Priest. Et on va voir si ça passe. Je vous mets en pause, je vous reprends quand ça reprend. Alors, on s'est fait dégager au niveau des monstres qu'il y a au centre. Après, on a eu deux autres attaques qu'on a repoussées. Je vais poser. Ops. Zoo Project, ça c'est pas mal. Alors, meeting, zone décision. Ok, parfait. On diminue le commerce. Ça lui plaît pas à lui. Mais ça plaît aux autres. On peut faire augmenter la méritocratie, c'est pas gênant. Le commerce, ça me gêne un peu plus, ça renforce les corporations, mais bon. On va augmenter notre nos points avec le comment s'appelle, avec le culte. Est-ce que ça vaut le coup qu'on... Putain, on a toujours pas ça en fait, c'est ça qui me rend ouf. Diplomatie roll plus 30, c'est pas mal. Et on peut diminuer l'apport de bouffe, quoi, la demande en bouffe. Là, le commerce qui commence à monter là. Là, le commerce qui commence à monter. À 7. On a besoin de 387 moins 130. Ça fait 257. On a pas assez d'argent pour faire tout. Ça vaut plus rien, faut que j'arrête de le vendre. On va laisser y aller petit à petit. Ah, on est censé être beaucoup mieux là. Allez, vas-y, on va les friter. On est censé leur éclater la tronche là. Yes, ça descend plus vite. Ah, ça permet de nous redéployer les unités, ça va être pratique. Yes. Ils ont disparu. Mazel tov. On va essayer de redéployer la première notre infanterie brigade. Attends. Deuxième infanterie brigade. Attends, ils sont combien par... On est 500. C'est bien une brigade, donc c'est deux brigades en fait. Ok, très bien. Soit. J'ai envie de dire soit. On est à 64. Ok. On était à 37. On a pris quand même quelques pourcents. Toi, tu vas venir ici par contre. Les deux là sont défensifs, ça me va plutôt bien. Je crois qu'on va retourner lui dire bonjour un petit coup. Si je fais juste avec lui. On va faire avec tout le monde. Le but c'est de leur faire un maximum de pertes. Hein. Yes. Il y en a tellement en fait, c'est ça le problème. Eh, on a perdu du... On a perdu nos tanks. C'est marrant ça.
pense pas que marrant soit le bon mot, mais... Il en reste 7800, ouais. Si on prend, on peut-être essayer de le faire fuir. Mais je pense pas qu'on soit capable de l'arrêter si jamais il veut revenir dans notre... Dans notre espace, ça va être compliqué. Hein, ça va être vraiment compliqué. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Ouais, en fait, ils peuvent pas me dire pourquoi, parce qu'en fait, y a rien à trouver. C'est ça, hein? Attends. Ouais, voilà, là, ça va être mieux. 33, c'est un peu d'edge. 75, ça, c'est faisable, par contre. On va sortir un petit 40. On va se le tenter. On a fait un 65, t'es sérieux? Suboptimal. Putain, ça coûte tellement cher. On va se détendre. On va se détendre. Allez, c'est parti. Ah, mes souhaits. Bon, on s'est fait annihiler une unité de plus. On va essayer de leur laisser l'espace. Yes, on a gagné ça. Commander of the Second Infantry Brigade. Yes, on a complété ça. Ask for help. Ouais. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est toi là, toi là, toi là. On fait une ligne, on va essayer de faire en sorte qu'il se barre. S'il peut se barrer, ça serait parfait. Les barracks. Les travailleurs ont demandé un vote. Ils voulaient travailler un petit peu moins. Ils avaient being less tired and being more productive. C'est possible. On peut augmenter notre profil démocratique. Ce qui pourrait être pas mal. Hein. On passerait devant la mérito. Sachant que là, on a débloqué. Non, on a débloqué ça. Ça, c'est cool. Quality of life bonus plus 50%. Oh oui. Ou ça va pas lui plaire. On gagnera en enforcement. On va faire un compromis. C'est surtout pour la... Lui, je voulais pas perdre le 6. Le plus 5 faisait un peu rêver, mais bon. On va faire ça. Yes, on est, ils sont en train de se battre un peu là pour ce niveau-là. Voilà, on est bon. La route est complétée. 2, 3, 4, 5, 6. On peut mettre une unité de milice ici. Qui ira pas plus loin. Au moins la zone, on la tient. Le goulet, notre angle mort. Il va falloir qu'on parte en guerre de toute façon contre les voisins. Donc ça va se jouer par là-haut. Ça va se jouer par là-haut. On a deux milices ici. Alors le seul truc qui m'embête un peu, c'est les unités qu'on a perdues. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi on n'a pas accès à la deuxième? On a perdu tous les rouges. Ah non, on n'a pas perdu. Quoique.
C'est considéré comme des indépendants maintenant? C'est considéré comme des indépendants. Ok. 9, 9, ces deux-là. Si je fais une unité admin, change HQ. Pas leur changer d'HQ. Mais c'est quand même considéré comme des indépendants Regular Unit. Bon, on a plein d'indépendants. Ça, c'est un peu dommage, hein. On s'en servir pour faire la défense des frontières, tout simplement. Si ça peut être simple, ça serait mieux. Bien sûr. Nous en manque 137. Oh. On va mettre 137. Et normalement, ça devrait être bon. On est juste toléré. Soldier support qui augmente. Coup dur là, hein, qui nous est éclaté le commandement de la deuxième brigade. Il va falloir qu'on prenne un corps d'armée, hein, si on veut faire quelque chose de toute façon. Et la dernière fois, à ce niveau de développement dans la partie, les régiments majeurs avaient deux villes, j'en ai qu'une, et de l'artillerie. Donc bon, on va voir si on arrive à faire quelque chose quand même ou pas. Sachant qu'il faut pas que j'oublie, j'ai aussi de la construction à faire. Parce que là, j'ai fait des promesses, mais je pense pas que je vais pouvoir les tenir. Et le problème, c'est que j'ai pas un problème, j'ai pas de Covid, hein, pour masquer mes lacunes de politique. Et ça, c'est dommage. Allez, je vous mets en pause et je vous reprends dès que c'est terminé. Ok, les monstres ont commencé à s'écarter. State Company, ok. Yes, Automatic Rifle. Prospecting Push, on ne pourra pas le faire. Petit problème de morale. Production de munitions. Eh oui. Attends. Industrie. On a notre industrie, ça c'est bien. On a deux tours. On a deux tours. Production de BP. 50 en plus. Un tour. 200, 100. Ça passe? Vas-y, boum. Ok, comme ça on va remplir on va remplir cette demande. 4 tours, rentrer en guerre, ça on verra. Il va falloir que j'augmente une des mines. On va d'abord faire ça, après on augmentera la mine. Et là, ce qu'on va faire, c'est. Toi. On va remonter vers le nord. On a toujours une unité de milice ici. Toi, tu vas te décaler par ici. Les monstres sont là, hein, de mémoire. Donc on va voir s'ils essayent d'avancer ou pas. Et là, le but, ça va être de travailler sur le retranchement, hein, tout simplement. Military recherche. Discovery, discovery. Est-ce qu'on a découvert des nouveaux trucs? Ivy Stigun qu'on peut faire à la recherche. Ah, on vient de débloquer le reste, ça c'est cool. On va garder ça, il faut continuer de faire de la découverte. Des démagogues à Kits. Hey, franchement, un petit truc d'investigation. T'es balèze en investigation, mon cochon.
T'as un petit bonus à 40. Et à 58 ici. D'accord, ok. Ouais, c'est honnête, hein. Average à 147. On va se tenter celui-là. Ça, c'est bien. Ouais, j'ai pas envie de perdre avec lui. Failure. On a perdu beaucoup de population, 4700 personnes. Ouais, quasiment 5000 personnes. Donc c'est pas cool. On est en train de remonter là petit à petit. C'est pas joli joli, mais bon. On fait ce qu'on peut. On n'a plus une thune. Trésorerie cash flow. Il est venu 55 de dépenses. On est à 40, 30, 35, 36. 36 tours. Ah putain. Je suis en train de flinguer mes ressources. On a un tour de plus. On s'est acheté un tour là, basiquement. On est à 39. Allez. Allez, allez. Alors normalement, si on voit current point, ouais, 120 jusqu'ici, on peut se permettre d'aller par là un peu. Ah, il y a peut-être une unité dans le coin là. Il y en a une là. Non-aligned. Faudrait que je sois capable de leur envoyer un petit espion quand même, ça me ferait beaucoup de bien. On va pas y arriver. Non aligné, le non aligné, non aligné. Non aligné, ok. Ils sont hostiles, relation 2. On va bientôt rentrer en guerre avec eux. Non, ça a pas marché. Ok, on a construit ça. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils ont construit les arènes. Donc l'avantage qu'on peut faire, c'est qu'on peut claquer le gros stratagème de gladiateur. Et on va prendre quelques niveaux. Au moins, on va les détourner. C'est l'équivalent d'une Coupe du Monde, hein, basiquement. On va doubler l'entertainment, ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien. Police station. Bon. On attend de faire la construction ici. Une fois que la construction va être faite, on va augmenter le mining. Et on déclarera la guerre sur le fil à l'autre loustic. S'il nous déclare pas la guerre avant, mais au moins on commence à garnir les bordures. Et ça, c'est important. Je vais arrêter l'épisode là, j'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures. A bientôt tout le monde et bye bye!